Yo YouTube, j'espère que vous êtes tous super bien aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir au titre, on va se retrouver pour un petit franchement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va critiquer? On va critiquer live YouTube, les potes. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur d'en parler avec Vava, parce qu'il y a vraiment beaucoup de lives qui sont critiquables aujourd'hui sur YouTube. De toute façon, vous allez tout de suite comprendre de quoi on parle. Bon, comme Roro vient de vous le dire, on va critiquer plusieurs sortes de lives différentes, parce qu'il y a plusieurs sortes de lives. Et je vais commencer tout simplement à vous énumérer les différents types de lives qui existent sur YouTube. Il y a des lives gaming, il y a des lives où tu discutes avec tes abonnés, il y a des lives de musique, il y a des lives où tout simplement tu fais des jeux sur internet, il y a des lives de canulars téléphoniques, il y a des lives de concours hand spinner. Et bien sûr, il y a des lives de rediffusion de séries. Faut savoir d'ailleurs qu'on vous avait fait un épisode il y a quelques mois de ça, je crois 3 mois, quelque chose comme ça, sur les lives Simpson, tout simplement. C'était un épisode de la série, franchement, qui parlait des lives Simpson et où on s'était fait complètement démonter puisque on a attaqué les Simpson et du coup bah... Alors ce qu'il faut savoir là, c'est qu'on va pas attaquer les séries, comme Vava parle de séries télé qui sont rediffusées. On n'attaque pas les séries télé en elles-mêmes. Que je m'en fous, que ce soit Futurama, Simpson, ce que tu veux. En tout cas, tout simplement, moi si je dois donner mon avis sur ce type de live, c'est que ça n'a rien à faire sur YouTube. Et que je sais pas ce que YouTube attend pour foutre à la poubelle ces putains de live. Franchement, hein, là, bah on vous parle avec le cœur. De toute façon, c'est le but de la série. Mais je pense que Vava pense comme moi. Et on a regardé encore les commentaires de la vidéo qu'elle vous parlait, Vava, il y a pas si longtemps que ça. Et franchement, ça fait peur. Les gens, voilà, nous insultent parce qu'on a attaqué les Simpsons, alors que pas du tout. Moi, les Simpsons, je regarde, mais à la télé. Moi, ce qui m'énerve juste avec ce concept-là, c'est que des gens arrivent à créer une communauté, à rassembler plus de, comme j'avais dit, plus de 20, 30 000, voilà, plus de 20, 30 000 viewers sur un live où, en fait, tu télécharges une vidéo et tu la rediffuses. Moi, si je peux le faire, je peux très bien le faire, d'ailleurs. Et c'est très simple à le faire. Et tous les gens qui vous font croire que c'est très difficile à faire, très difficile à mettre en œuvre ce genre de live, c'est pas vrai, c'est strictement faux. C'est très simple. Et surtout qu'en plus de ça, c'est le genre de personnes qui demandent dans leur description de live et dans leur live de faire des dons pour avoir un meilleur matos pour faire tourner leur live. Sachez que de rediffuser une vidéo sur un live, ça ne prend rien. Tu peux avoir un PC à 200€, tu le fais tourner le live. Si t'as juste à rediffuser en fait ce que tu vois sur ton PC, c'est quand même pas bien compliqué. Donc ce que vous voyez sur les lives, n'y croyez pas tous, soyez pas naïfs. Quand vous voyez, ouais, faites des dons pour avoir un meilleur matériel, alors que le simple live, c'est juste une petite barre avec les meilleurs donateurs et une rediffusion d'une série télé, là vous vous faites prendre pour des cons. Voilà, exactement. Donc pour ce type de live, on a dit un peu ce qu'on pensait en fait, vraiment au fond. J'espère vraiment qu'on n'a pas été trop trash, qu'on n'a pas froissé certains d'entre vous, parce que la dernière fois c'est apparemment ce qui s'est passé. Ouais. Mais c'est pas le but en fait. Si vous voulez, le but c'est vraiment de vous faire comprendre les choses au niveau de ce genre de live de merde. On va pas se le cacher, c'est de la merde de toute façon. On va appeler une merde, hein. De toute façon, je vais pas prendre des pincettes pour ça. C'est pas le but de la série. Et en tout cas voilà, c'est pour plus vous ouvrir les yeux. Après sinon on va passer au deuxième type de live, un petit peu plus sensible. C'est tout ce qui est live concours. Donc en fait, j'ai rien contre les concours, j'ai rien contre les youtubeurs qui font des concours pour leur communauté, c'est d'ailleurs très gentil à eux. Mais moi, ce que je supporte pas avec certaines chaînes et certains lives, c'est que tous les soirs il y a certaines chaînes qui sont en live pour faire des concours. Donc c'est à dire que leur live, tous leurs lives sont 100% que non, des concours. Non, leur live c'est un concours. Voilà, tous leurs lives c'est des concours. Donc en fait, ça, je comprends pas ce concept là. Pourquoi? Parce que dans le délire, c'est impossible. Quand le mec fait gagner plus de 1000, je sais pas, je dis n'importe quoi, on va dire 1000 hand spinners en une soirée, c'est pas possible. Tu fais 1000 fois 5€, imaginons le hand spinner, plus, allez, on va dire 3€ de frais de livraison, je te laisse un petit peu compter, c'est juste impossible. Alors après, le mec, il peut te raconter ce qu'il veut, il peut te donner les preuves qu'il veut ou quoi. Je pense pas que quelqu'un est capable de balancer plus de 3000€ pour un live chaque soir, en sachant qu'il nous donne juste comme preuve les commandes. C'est pas parce que tu nous donnes comme preuve les commandes que tu les fais gagner en concours. Ça, c'est pas une preuve pour moi. D'une part, d'une deuxième part, voilà, ce genre de live, ça n'a pas existé sur YouTube, puisque les concours sur YouTube sont interdits. C'est pour ça que tous les youtubeurs, les grands youtubeurs que vous connaissez, ne font pas de concours sur YouTube. Non, ils en feraient. Ils en font que sur Twitter. Pourquoi? Parce que c'est interdit sur YouTube, tout simplement, dans les règles de YouTube. Donc YouTube, bougez-vous le cul. Après, il y a le genre de live qu'on apprécie vraiment beaucoup. C'est le genre de live où, en fait, tu parles tout simplement à tes abonnés, où tu joues, tu proposes ton contenu à toi. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tout le temps en live. Petite pub. D'ailleurs, faut savoir qu'on est en live généralement vers 21h30, 22h, hein. Et voilà, en fait, le but recherché, c'est tout simplement de proposer son propre contenu, tout simplement comme des propres vidéos, où en fait, bah, tu joues, tu proposes des jeux, par exemple, je sais pas, genre du Call of Duty, du Clash Royale, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est la personnalité, en fait, c'est ta personnalité, c'est ton live, c'est ton. Et puis même quand tu discutes avec tes viewers, c'est ton propre contenu. Ouais, voilà. Et ça, vraiment, c'est le genre de live où on n'a pas franchement grand chose à dire dessus. C'est pas critiquable. Voilà, pour la simple et bonne raison que nous, aujourd'hui, on est là. Moi, je suis là surtout pour soulever le problème du vol de contenu et des lives de merde. Parce que
que dans le genre encore de live de merde, il y a les lives aussi fait ta pub. Je parle pas des lives, je présente vos chaînes, malgré que c'est pas forcément un concept que j'aime sur YouTube. Mais les lives fait ta pub, c'est quoi ce concept de merde? En fait, si tu veux, tu as un live qui tourne 24h sur 24, donc pendant des jours et des jours, j'ai déjà vu tourner des lives pendant plus de 20 jours, 30 jours, avec juste une musique en fond et des compteurs d'abonnés, de personnes. Et en fait, le but du live, c'est que dans le chat, tu fais ta pub. Alors c'est bien, sauf que le délire, c'est que ça attire déjà tous les kikous de YouTube. C'est indéniable. Après, voilà, il y en a qui vont me dire, oh, t'es jaloux. Non, je suis pas jaloux, c'est strictement pas ça. Juste en fait, là où le problème se pose aujourd'hui sur YouTube, c'est qu'aujourd'hui, il y a des chaînes comme ça qui sont à plus de 100 000 abonnés. La vérité. Ça, c'est dérangeant pour des petits créateurs. Parce que YouTube va mettre en avant ce genre de live dans les tendances YouTube en live, mais va pas mettre en avant des petits YouTubeurs qui proposent leur contenu. Et ça, c'est dérangeant. Là, j'espère que vous comprenez où je veux en venir. Moi, je m'en branle que ces petits cons, on va dire, ont une petite communauté, ont le droit d'exister. Je dis pas que ça a pas le droit d'exister, mais. Mais que ce soit trop mis en avant, voilà. Ça, c'est. Exactement. C'est injuste, quoi. Exactement. Nous, aujourd'hui, on n'est pas là pour se plaindre non plus. On est juste là pour critiquer un petit peu ce qui se fait, ce qui se fait pas, tout ça. Faut savoir que nous, aujourd'hui, on est en live pratiquement tous les soirs et on propose nos lives à notre communauté. Mais c'est notre live à nous. C'est notre contenu à nous, tout simplement. Et aujourd'hui, on est très content de ce qu'on a. On est très content du nombre de viewers qu'on a par live. On est très content du nombre de personnes qui nous soutiennent par live. Et ça, il n'y a aucun souci. On a vraiment aucun souci avec ça. Donc, le premier fils de pute dans les commentaires qui me dit t'es jaloux, machin. Ta gueule. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu connais? Ferme ta gueule. Non, franchement, voilà, c'était juste un petit peu pour vous raconter. J'aimerais bien que vous nous donniez vos avis dans les commentaires, franchement. Et ça, serait vraiment cool. Et que vous nous disiez quel genre de live vous appréciez le plus sur YouTube. Quel genre de live vous regardez le plus. Parce que je sais qu'il y a pas mal de notre communauté, notamment, qui est très jeune et qui va sur des lives fait à pub. Ça, je peux comprendre. C'est tout à fait légitime quand on est petit youtubeur et que, voilà, on a envie de gagner quelques abonnés. Bien que ça sert à rien. Oui, bien que ça sert à rien, puisque c'est des abonnés inactifs, ça faut, voilà. Faut pas être... voilà quoi. C'est un chiffre, c'est juste un chiffre. Après, je peux comprendre, histoire de question de satisfaction personnelle, de devoir se dire ah ouais, putain, j'ai chopé 50 abonnés malgré que ce soit des inactifs. C'est voilà, c'est, je sais pas, moi c'est pas mon délire, mais je peux comprendre. Le délire, voilà, c'est que ce serait bien que vous nous disiez quel genre de live vous appréciez sur YouTube, quel genre de live vous regardez le plus souvent sur YouTube. Mettez-le dans les commentaires. Hein. Aussi, n'hésitez pas à soutenir un maximum avec les likes. C'est vrai qu'on demande pas souvent les likes avec Baba. Franchement, je vous demande un gros soutien, les potes. Ça serait bien qu'on ait un petit 300 likes, même voire 500 likes. Les gars, franchement, ça c'est un vrai objectif que je vous donne, tout simplement pour que la vidéo soit partagée un maximum, parce que c'est vraiment une vidéo, on va dire, de type sensible par rapport à d'habitude. C'est vrai que c'est un petit peu tabou de parler de ça, de critiquer certains lives. Je sais qu'il y en a qui vont pas être contents. De toute façon, on peut pas satisfaire tout le monde, c'est pas le but de la chaîne ici, c'est pas le but de la vidéo non plus. Vous pouvez mettre un dislike si vous êtes pas d'accord avec nous, si vous croyez que les lives fait ta pub, ça doit exister sur YouTube. Si vous croyez que télécharger une vidéo et la remettre en streaming derrière et voler carrément un contenu aux Simpsons ou des droits d'auteur à Futurama ou des choses comme ça, c'est votre problème. Moi, après, je veux dire, je suis pas responsable de la connerie des gens. Si vous pensez que c'est bien ce genre de live, si vous regardez ce genre de live, c'est pas de ma faute si vous nourrissez de merde. Moi, je tiens à vous le dire en fin de vidéo, de toute façon, parce que c'est ce que je pense et c'est ce qu'on pense avec Baba. C'est pas de notre faute et c'est tout simplement votre avis et on peut pas vous l'enlever. Et voilà, c'est tout. Le but, tout simplement, c'est que chacun s'exprime dans les commentaires. C'est un peu le but de la série, franchement, et c'est le but de ce genre de vidéo, les gars, qu'on débatte ensemble et qu'on essaye de rendre YouTube meilleur. Bon, alors, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à dire qu'on vous a dit dire dans les commentaires. Et voilà, à vous abonner si c'est pas déjà fait. On vous fait plein de gros bisous, on vous dit à la prochaine. Peace. Peace. Ça fout là.